Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite recette qui va vous envoyer tout droit dans une petite gargote d'Osaka qui sent bon, le barbecue à l'ancienne. Vous allez vous friser les moustaches avec moi. En effet, aujourd'hui, je vous propose de réaliser les fameuses tsukune, ces fameuses boulettes de poulet haché avec des petits toppings. Vous allez voir, c'est une petite dinguerie, ça coûte pas cher et c'est fait en un tour de main. Pour les ingrédients, il y aura besoin à la fois pour les boulettes et pour la sauce, et les proportions, ça se passera en barre de description. Pour les boulettes, vous avez besoin de poulet haché, d'huile de sésame, de sauce soja de mirin, de la fécule de pomme de terre, du gingembre haché, les épices, moi j'ai mis un piment fort, du poivre noir et bien sûr des clous de girofle. C'est trop bon le clou de girofle. Un verre d'oignon, un blanc de poireau et un jaune d'œuf. Et pour la sauce, vous avez besoin de mirin, de sauce soja, une belle cuillère de sucre, un peu de sauce huître et une gousse d'ail. Pour les boulettes, c'est vraiment enfantin. Vous prenez la liste des ingrédients, vous mettez tout dans un saladier et vous mélangez. Le poireau et l'oignon, simplement, il faut le couper le plus finement possible pour que ça se mélange bien, que ça s'amalgame bien avec les boulettes, que ce soit laser. Bien sûr, pour les ingrédients, moi je vous donne ma recette, mais si vous voulez par exemple rajouter de l'ail, du paprika, du cumin ou ce que vous voulez, c'est open bar, c'est le principe de la cuisine. Il manque les épices. Voilà, faut pas avoir peur forcément d'y mettre les mains. Pour façonner les boulettes, moi le petit tip, c'est vous prenez un peu d'huile de sésame que vous passez sur vos mains, ça vous permet que la farce accroche moins. Et puis là, bah, on s'y colle. Hein. Pour la sauce, hein, on met une belle cuillère à soupe de sauce huître. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Après, ça donne un petit goût umami qui est sympa. Là, vous avez le mirin. Et voilà, le principe, c'est juste de tout mélanger pour dissoudre un petit peu le sucre dedans. La sauce soja. Et le sucre. Quand vous avez bien mélangé votre sauce, vous pouvez écraser une gousse d'ail, la mettre dedans, elle va parfumer en fait à la cuisson, elle va donner cette petite fin de bouche très agréable. Bien sûr, on l'enlèvera au moment de servir, mais c'est ce qui va donner ce petit côté un petit peu umami. On met un petit peu d'huile. Il y a besoin d'un peu d'huile, mais pas non plus une dinguerie. Hein. Après, ça dépend des poils que vous utilisez. Moi, je sais que ça, c'est des poils qui sont en fer brut, elles sont très culottées. Alors, elles sont peut-être pas très jolies, mais franchement, c'est de la balle. D'ailleurs, De Buyer, si vous voulez un partenaire, ma boîte mail est ouverte. Hein. Des bisous. Quand la poêle est chaude, on ajoute. Au niveau du temps de cuisson, il faut quand même compter 7-8 bonnes minutes. Après, ça dépend de la taille de vos boulettes. Mais vous êtes sur du poulet, du coup, il faut une cuisson vraiment à cœur. On rajoute la sauce qu'on a fait avec la sauce huître, le soja, c'est la sauce teriyaki. Vous continuez de secouer la poêle, c'est ce qui va les laquer et les rouler dans la sauce. Les boulettes sont parfaites, vous avez vu, elles sont parfaitement laquées. Et moi, mon petit tips pour les servir, c'est pas très original, mais ça fait la différence. Un peu de riz blanc, quelques tsukune par-dessus. Et là, le twist d'Osaka qui va faire la différence, un jaune d'œuf et un peu de coriandre. Vous allez voir, c'est une dinguerie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir aussi à la manger. Je vous invite à partager cette recette si ça vous a plu parce que c'est le plus beau soutien que vous pouvez nous faire. J'en profite aussi pour remercier Yulili qui a fait le montage. Et là, je vous laisse parce que ben, j'ai juste beaucoup trop faim. À la prochaine. Ciao, ciao.